Et salut tout le monde, c'est Squaninou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur Ghost Recon Wildlands pour un petit guide trophée. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour obtenir le trophée La Mort Venue du Ciel. Comme vous le savez, pour obtenir ce trophée, vous allez devoir tuer un ennemi avec un drone. Donc c'est vraiment un trophée très très facile. Vous pouvez le faire n'importe où sur la carte à condition d'être bien équipé avec votre drone. Donc du coup, je vous ouvre les équipements, exactement les compétences. Vous allez partir dans drone et il vous faudra explosif. Donc cette compétence-là se débloque au niveau 15. Ça va vous permettre avec votre drone de vous approcher d'un ennemi et de le faire exploser pour obtenir le trophée. Donc du coup, moi j'ai le drone équipé d'explosifs. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, je me suis approché de deux gars de l'Unidad qui sont campé à côté. On va envoyer le drone. C'est parti. Hop. Là, je m'approche d'eux. Je vais descendre un petit peu. Hop. Coucou, c'est moi. Explosion. Voilà, c'est réglé. Donc du coup, là, je l'ai tué. C'est fini. Donc là, à ce moment-là, si vous avez tué un gars de la même manière, n'importe où sur la carte, vous aurez obtenu le trophée La Mort Venue du Ciel. Je vous avais dit, il n'y a rien de bien compliqué. Donc voilà les gens, cette petite vidéo de kit trophée est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je pense que vous aurez obtenu le trophée très facilement. Et comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos de kit trophée sur Ghost Recon Wildlands. Ciao tout le monde!